Alors après avoir passé les comités de sélection à la pépinière 27, donc notre startup Trustfolio a été reçue en juillet 2018. Et donc ça fait maintenant plus d'un an et demi qu'on est dans les bureaux de la pépinière 27. Donc nous, ce qu'on apprécie particulièrement là-bas, c'est vraiment un incubateur, accélérateur avec une bonne dose d'humain et de bienveillance. On s'est hyper rapidement on a hyper rapidement rencontré d'autres entrepreneurs et d'autres start-upeurs avec lesquels on peut échanger et donc du coup échanger à la fois sur notre problématique, rigoler et puis partager les bonnes et les mauvaises nouvelles. Donc ça c'est très important d'avoir cet écosystème d'entrepreneurs. La deuxième chose qu'on a particulièrement appréciée à la pépinière, c'est que c'est un lieu qui est vivant et flexible. C'est-à-dire que nous, la société, elle a connu plusieurs phases depuis qu'on a la pépinière, et des moments où on avait besoin d'un peu plus d'espace. Et donc, du coup, l'équipe, elle est toujours assez réactive pour pouvoir s'adapter à nos problématiques d'entrepreneurs. Et puis, la dernière chose qu'on a particulièrement appréciée, c'est que la pépinière, c'est aussi un incubateur qui est labellisé par la ville de Paris. Donc, du coup, on a pu poser un dossier pour le PIA, et donc, du coup, faire subventionner une partie de l'innovation de notre produit via cette subvention et qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas été dans un incubateur labellisé par la ville de Paris. Enfin, le dernier point qui est un point non négligeable, c'est que je pense que c'est un des incubateurs les moins chers de la ville de Paris. Donc globalement, c'est top, quoi. Tout est réuni, écosystème, financement et puis rapport qualité-prix. Donc moi, je vous recommande chaudement de postuler à la pépinière et puis de nous rejoindre et ça me fera plaisir de rencontrer de nouveaux entrepreneurs.